Aujourd'hui, je vous dis un petit coucou et une petite dédicace très spéciale pour tout le monde. Je ne vais pas citer les 350 000 personnes que je vais citer, ça fait un peu trop. Bref, je vous dis un petit coucou à tous, en amis, car aujourd'hui je teste mon micro sur mon Mac avec un micro casque parce que ça appartient à ma PlayStation 3. Et j'ai pas eu la jugeote de faire tout de suite ce système. Et donc voilà. Donc tout simplement, aujourd'hui, je vous fais une petite dédicace. Une petite dédicace à tout le monde. Je vais pas citer tous les noms. Mais je donne une grosse dédicace, et je vais l'appeler la dédicace 5, directement parce que c'est plus simple pour moi. Donc aujourd'hui, j'aurai pas beaucoup de temps parce que j'ai des choses à faire ce matin. Voilà, j'ai des petites choses à faire ce matin. Comme tout le monde, hein, je dois aller à la banque, faire des choses, faire des points, faire des taux, faire des petits trucs. Et bien sûr aussi, j'envisage, comme je vous ai expliqué la dernière fois, j'espère que vous allez regarder mes vidéos parce que, certaines vidéos qui sont très longues, j'ai mis presque 50 minutes, presque une heure, hein, 60 minutes, presque 60 minutes, en parlant un peu sur ma vie. Bien sûr, j'ai sauté beaucoup d'étapes, hein, mais la prochaine fois, je vais faire... une vidéo sur ma vie de partie 2 et cette fois-ci je vais essayer de m'expliquer un peu plus correctement pour que vous puissiez comprendre mon histoire et pourquoi j'ai eu des contraintes, mais c'est comme ça, c'est dans la vie, mais c'est comme ça. Donc voilà, dans ce domaine. Donc, alors revenons aux dédicaces. Avec les dédicaces aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais être franc avec vous. Une dédicace à tous. Une dédicace super à tous parce que voilà, il y a des gens que j'aime bien qui sont abonnés à ma chaîne. Il y en a d'autres qui me posent des questions. D'autres qui essayent, ceux qui me posent des questions, ils vont sur pas sur le commentaire directement, mais bon, c'est bien. En fin de compte, il y aura une petite modification à faire sur mon Google que je vais faire aussi parce qu'il y a, il y a beaucoup de boulot aussi. Donc voilà, pour mon association que je veux créer, je vais la créer. Avec un nouveau système, une nouvelle règle, à peu près les mêmes règles, mais c'est pas qu'il faut croire que c'est comme ça. Mais bon, il y aura des règles que je vais donner, que je vais inspecter, je vais faire ceci, cela, et voilà. Et peut-être une ambition de faire un genre de resto du cœur, parce que là, c'est quelque chose que je veux faire beaucoup, parce que je remarque que la misère devient de plus en plus en France. Et ça fait un bail que ça se produit. Coluche a fait ça entre 89, 90, 91. Hein, donc Coluche nous a fait ce genre de resto du cœur. Et moi, je vais essayer de faire à peu près la même chose. Mais pour l'instant, je vais voir qu'est-ce que ça donne sur Mantes-la-Jolie. Donc je vais voir. Cette fois-ci, cette fois-ci, c'est quelque chose de très bénévole. Il n'y aura pas d'embauchement de quoi que ce soit. Bien sûr, il faut une tonne de fortune. Voilà. Donc, bien sûr, il y aura des adhérents qui vont avoir. Donc, je vais voir. C'est une petite chose que je veux créer parce que je trouve que de nos jours, beaucoup de personnes demandent l'argent stupidement. Et il y a des gens qui ont du mal à demander, qui ont même dans le besoin. Ils n'osent même pas demander. Désolé.
Ils n'osent même pas demander un centime tellement qu'ils ont honte. Mais ceux-là qui n'ont pas honte vont monter dans les trains, vont dire oui, voilà, j'ai besoin de. Vous pouvez me donner un ticket de restaurant, plapla. Et ben moi, je ne donne même pas un centime à ceux-là. C'est un peu con. C'est un peu con ma réaction, mais je sais pourquoi. Il y a du profit qui n'est pas normal. C'est tout. Il y a du profit et ça, les gens ne le voient pas. Il y a beaucoup trop de profit. Mais il y en a d'autres qui ne osent même pas demander un centime tellement qu'ils ont honte en eux-mêmes. Et quand je parle de honte, ils n'osent pas demander un centime. Voilà. Ils n'oseront même pas. Ils en auront besoin dans le voisin. Comme par exemple, moi, ce qui m'est arrivé. J'ai rien demandé. C'est juste une bécane qui m'a fait miam miam ma pièce. Qu'est-ce que tu veux, j'y fasse. Elle a fait miam miam. Normalement, fallait appeler la société. J'ai fait appel à la société, mais bon, bref, n'en parlons pas. Des timbres, c'est ridicule. Bon, bref. Donc, voilà. C'est peut-être un tout petit projet, très différent des autres. Celui-ci sera moi qui sera le président. Parce que j'ai mon contre-fiche. Et par contre, là, il sera obligé d'avoir un compte bancaire. Mais ce compte bancaire ne sera pas géré par moi-même. Je vais faire que tout possible que c'est quelqu'un qui va faire mon rôle différemment. Moi, je signe juste ces documents et surtout, voilà. Bref. Bon, bref. Revenons à nos délicaces. Alors, je dis coucou à tout le monde. Vraiment, coucou à tous. Je vais même dire un truc. Je vais même dire un truc que j'aime bien. Une personne que j'aime bien, mais qui n'a du mal à vraiment comprendre. Et pourtant, je l'aime bien quand même. Mais je l'ai fait ce qu'il faut. Parce qu'il y a une limite. On peut dialoguer entre amis. Et bien sûr, on peut. De temps en temps, la personne n'a pas envie que de parler. Moi, mon but, c'est pas que de parler avec les gens. Moi, je fais ma vidéo, je fais d'autres choses à l'extérieur, donc voilà. Et ben, DJ Tigre 33, même que tu veux pas que je cite ton nom, et ben je te cite dans les abonnés. Je sais parce que je t'ai demandé de te désabonner la dernière fois parce que tu me saoulais. Et tu mets des pouces rouges, comme tu dis, hein. Donc, bref, sans réfléchir, qu'il y a des choses qui est véridique. Voilà. Donc, et bien sûr, ton petit mensonge que tu dis, blablabla, ça dépasse sa tête et moi j'aime pas le mensonge, c'est un truc que je déteste. Hein. Si on se fait des films, on se fait des films. Moi je fais pas de films, j'ai pas le temps de faire des films. Donc je dis un petit coucou à Jérémy, surtout un coucou à Jérémy. Akela, Simon. Akela, Simon. À d'autres que j'ai pas, à Louis aussi, à bah, DJ Nono, coucou si tu me vois. Donc, pas de problème. Et bien sûr, tous les autres adhérents, même Papy Tricot, même Papy Tricot, je te fais un coucou quand même, même que tu es un peu fatigant avec tes âneries. Ben bon, je te fais coucou un coup même. Même les autres qui me disent oui, je suis clochard, ben, si je suis clochard, ma poule, vous allez le devenir clochard plus que moi. Et je suis sûr que vous êtes les premiers à demander. Bref, je vous dis un coucou à tout le monde, même ceux que j'aime pas, parce que aujourd'hui, on fait comme à les Indiens, on fume le calumet de la paix. Voilà. Comme ils disent les Marseillais, hein, on fume le calumet de la paix pour être tranquille. Et tu emmerdes personne. Eh ben, vous emmerdez personne. Voilà. Vous occupez de vos fesses. Et voilà, basta. Donc, cette dédicace, elle est pour tout le monde. Même pour les 300 abonnés. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a que deux. Non, sérieusement, je dis un coucou à tout le monde. Vraiment un coucou à tous. Même que vous ne m'appréciez pas, je m'en branle. Aujourd'hui, il n'y a pas de blablabla. Si je bloque le commentaire, c'est pour une raison de protection dans certaines choses.
c'est comme ça. Les insultes, vous les gardez pour vous. Votre éducation, elle est complètement à la plaque. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, tout simplement. Alors, cette délicate, elle est pour tout le monde. C'est tout. Donc, n'inquiétez pas, c'est la 5e délicace. Mais, on va revenir sur quelque chose. D'éviter de dire des insultes à tout le monde. D'éviter. Parce que quand vous insultez à vous-même et à votre image à vous. Même si vous êtes un faux profil. Réfléchissez que quelqu'un... Bon, moi, je suis pas un expert de l'informatique, mais quelqu'un qui est expert de l'informatique, vous allez tomber dessus, vous allez l'insulter comme une grosse vache, et vous allez vous retrouver comme des cons. Vous savez pas qui est derrière un ordinateur. On n'est pas forcément d'être devant une cam, on n'est pas forcément derrière une cam, derrière une caméra. On n'est pas forcément du tout derrière une caméra. On peut faire du reportage sans avoir juste à voir. Mais vous ne savez pas qui peut être derrière encore. Ça peut être une volaille. Ça peut être un GM. Si vous ne comprenez pas tout ça, c'est que vous n'avez pas été à l'école. Si vous avez été à l'école, de faire croire que vous êtes à l'école, mais... Donc, il faut aller. Faut éviter, les enfants. Faut éviter de critiquer les gens, de foutre de la gueule de tout le monde. Vous dites que vous aimez rien et vous êtes les premiers à être abonnés. Bon, bien sûr, j'ai perdu quelques abonnés. C'est pas idiot, hein, puisque je regarde le diagnostic. Et donc, les statistiques, bah, je les regarde. Bon, c'est vrai que j'ai pas une statistique de 15 millions de vues. 35 millions de vues. 45 millions de vues. Mais je m'en fous. C'est pas ça que je veux. Moi, c'est juste... Je fais mon petit programme, ma petite chaîne, que ça. Pour tous les autres nouveaux adhérents, vous pouvez aller sur Cinéma 7200. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Par contre, j'essaie de trouver un logiciel pour convertir mes vidéos. J'ai pas encore trouvé ça. Et j'en ai vu, mais. Hey, 45 euros, 59 euros, 70 euros. T'as fait chier. Alors, sortir de l'argent pour pas gagner de l'argent, c'est pas intéressant. Donc, je cherche quelque chose qui est gratuit et qui est fiable sur Mac. Et pas pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Donc, voilà. Donc, parce que j'ai envie de vous partager mes films. J'ai envie de vous mettre de finesse, j'ai envie de mettre pas que des vieux, bien sûr, aussi des récents, des très très récents, des films que j'aime bien, que même beaucoup de personnes aiment bien. Et il y a une collection qui m'intéresse actuellement, il faut absolument que je l'achète, c'est Sliders. Si ceux qui le connaissent, j'ai pas envie de télécharger parce que c'est pour mon dada, je préfère avoir ma petite boîte et basta. Donc je suis plutôt comme ça, même si je respecte pas mes droits d'auteur soi-disant sur YouTube. Le problème c'est que le CD il est à moi et je leur fais comprendre, mais ils ont du mal un peu à rentrer là-dedans. Bref, voilà, donc tout simplement. Voilà, je vous remercie, à la prochaine vidéo et surtout vous me verrez beaucoup avec ce casque, même sur les autres vidéos. Et je vais essayer de l'adapter aussi sur ma table de mixage Newmark. Pour essayer d'animer avec, parce que je trouve que c'est pas mal et ça me porte moins ça porte moins sur moi, donc je vais essayer d'avoir ce système là et c'est pas mal franchement. Bon, merci, j'adore, allez, bye bye à tout le monde et surtout amusez-vous bien et ne vous faites pas de dire des bêtises, ça évitez. Salam alaikum. Vous voyez, je vais bien déconner un peu. Bon, allez, les Marocains, les Algériens, les Turcs, les Juifs, tout ce que vous voulez. Salut, bye bye. Je vous adore. Et surtout les Africains. Comme on dit chez moi, comme on dit chez ma femme, malafoué. Qui veut dire au revoir. Bye bye.